C'est une très belle initiative déjà. Première chose, chez les garçons, il y avait le trophée des champions, donc maintenant, c'est la première édition chez les filles. On est très très heureux, en tout cas, au Paris Saint-Germain d'être ici. C'est la récompense déjà de notre saison, d'être ici aussi, puisque bon, l'Olympique Lyonnais a gagné le championnat, a gagné la Coupe de France. Donc du coup, comme on a fini deuxième, on a la chance de pouvoir être là, jouer ce titre dès le début de saison. Donc c'est bien, c'est un trophée de plus tout au long de cette saison qui va être, je pense, très très riche. Nous, on vient ici avec beaucoup d'ambition, hein, bien sûr, il y a un titre en jeu. Et puis, on s'est bien préparé. Voilà, on s'est bien préparé déjà par rapport à la préparation du début de saison et puis aussi à travers notre début de saison, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. On sait que c'est toujours des gros matchs, les OL et OL PSG. Donc. C'est toujours agréable d'être le premier à remporter un titre voilà, qui a été créé là cette année, donc on en est ravis. Ça fait aussi une rencontre, un événement supplémentaire pour le foot féminin. Qui plus est, l'affiche est superbement belle et les conditions de match sont magnifiques. En Bretagne, avec le soleil, avec un super terrain Guingamp, donc on est très, voilà, très impatients. C'est un premier trophée, voilà, on sait que... C'est toujours des gros matchs. Voilà, on s'est préparé pour jouer ce match-là et pour le gagner. C'est vrai que le niveau aujourd'hui il se resserre. Voilà, on voit qu'ils sont de plus en plus proches de nous, mais voilà, nous on travaille tous les jours pour rester à notre niveau et même pour performer encore plus. Donc nous, notre objectif c'est de toujours progresser et toujours être conquérante et avoir de nouveaux titres. C'est important pour nous, c'est important pour la confiance. C'est important aussi pour envoyer des messages aux autres équipes et pour montrer que voilà, on est toujours là et qu'on travaille et qu'on est là, on veut toujours gagner plus. On a l'envie de mettre notre nom sur l'histoire de ce trophée. Déjà, on est heureuse de pouvoir jouer ce match et c'est encore une opportunité de pouvoir gagner un trophée. Et ils sont une des meilleures équipes du monde. Donc ça reste toujours compliqué de les battre, mais si on n'y croit pas, on ne vient pas, non? On n'est pas venu là pour faire joli, donc voilà, c'est un nouveau trophée à aller chercher. Et on sait que voilà, à l'OL, on débute chaque saison avec l'ambition de remporter chaque trophée. Donc aujourd'hui, il y en a un qui arrive et on va essayer de tout faire pour le gagner. Et en tout cas, on est prête. On sait l'importance de ce trophée pour le club et voilà, c'est une nouvelle compétition, donc on a hâte aussi de jouer pour ça. Le Paris Saint-Germain reste l'un de nos plus grands rivaux et on se bat souvent contre elle lors des finales ou des demi-finales. Donc voilà, c'est un gros match, c'est un match particulier, c'est une nouvelle compétition, c'est un nouveau trophée. Et voilà, j'espère que ce sera un grand match et qu'on gagnera à la fin, bien sûr. On a essayé de récompenser aussi tout le groupe à Guingamp, c'est-à-dire que tout le groupe s'est déplacé, que ce soit l'ensemble de l'effectif, les 25 joueuses, puisque ce sont elles qui ont fait en sorte qu'on soit ici. Donc le mérite leur revient, à nous d'être maintenant, comme je vous l'ai dit, à la hauteur. Salma aussi Bacha qui revient, donc on récupère un peu quelques joueuses qui étaient blessées depuis un petit moment. Et donc on a un groupe de 20 aujourd'hui. Donc, C'est un premier défi, un premier vrai gros challenge pour nous, puisqu'il arrive à un moment de la saison où on n'a pas forcément l'habitude de se rencontrer. Donc écoutez, on fera tout pour être au niveau et puis croyez-moi, on va se battre. On aura une grosse équipe, une belle équipe, donc voilà, ça nécessitera plus d'énergie, plus de préparation, mais voilà, on fera tout pour être dans les meilleures conditions et la remporter.